Aujourd'hui les gars, on est parti sur Fortnite pour la copine aléatoire challenge. Jean-Fils, je t'ai mis les 5 variantes de Julie en favori et je les ai mis en aléatoire. En fonction du skin que t'auras dans ta partie, tu devras choisir entre telle ou telle couleur d'arme afin de faire top 1. Oh là là les gars, c'est la première fois que mon petite copine me lance un défi pareil. Si tu tombes sur Julie de l'ombre, tu ne devras prendre que des armes grises. Si tu tombes sur Julie soudeuse, tu ne devras prendre que des armes vertes. Si tu tombes sur Julie cuirassée, tu ne devras prendre que des armes bleues. Si tu tombes sur Julie des plages, tu ne devras prendre que des armes violettes. Et pour finir, avec Julie combattante, tu devras prendre que des armes légendaires. Bonne chance à toi Jean-Fils. Merci mon amour. C'est parti les gars, let's go. Et on est parti pour cette première game. On va sauter du bus pour savoir quel skin de Julie je vais avoir. 3, 2, 1. Et j'ai le skin Julie combattante avec le top orange. Je dois donc récupérer que des armes légendaires pour pouvoir faire mon top 1. Alors on a un gros problème les gars, c'est que les armes légendaires c'est plutôt compliqué à trouver. Du coup j'espère avoir de la chance. On espère avoir un maximum de chance pour pouvoir peut-être obtenir cette fameuse arme légendaire. Ça c'est pas un truc légendaire. Non, c'est pas une arme légendaire malheureusement. Oh là là, oh juste ici il y a une clé. Peut-être que je vais pouvoir échanger cette clé contre une arme légendaire. En vrai les gars, il y a grave moyen parce qu'il y a des coffres juste ici. Let's go. Comment bien commencer une partie? On a directement une arme légendaire histoire de faire un maximum de kills. Mon but, faire le top 1, mais c'est aussi de faire un maximum de kills. Écoutez, si je peux faire un top 1 20 kills, moi je ne dis pas non. Oh, what? Je me balade au calme et il y a un mec qui se balade juste ici. Ok, nice. Bah mec, tu meurs, merci bien, au revoir. Tu sais quoi, je vais même le faire exploser les gars. Regardez, hop, petite grenade dans sa tête. Ah ouais, c'est vrai que là maintenant les grenades elles font que 42 dégâts, j'avais oublié les grenades. C'est plus du tout puissant. Oh là 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 là, par contre il y a son poteau qui est juste ici, qui m'a mis quand même plutôt cher. On va essayer de faire attention, lui aussi il a des grenades. Aïe 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 aïe, est-ce qu'on va réussir à gérer la situation, oui ou non? En sachant que lui il m'a mis quelques dégâts. Je n'ai plus 100 HP, ça c'est bien malheureux les gars. Oh là 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 là, c'était chaud les gars, c'était chaud. Mais on a réussi à éliminer la team de deux personnes. Et il avait une SMG en or les gars. Let's go, je me frotte les mains parce que c'était très compliqué comme début. Mais tranquille mon frérot, je vais prendre la carte de mon abonné que j'ai invité dans cette partie. Et on va essayer de le réanimer, comme ça on va peut-être avoir plus de chances pour réaliser le top 1. En tout cas j'espère les gars que vous avez passé un très bon moment en visant cette vidéo en mon compagnie. Les gars, vous savez bien que c'est tout le but. Hop, on va récupérer des soins juste ici, histoire de se mettre à 200 HP le plus rapidement possible. Et la carte de mon abonné est juste ici. J'arrive à temps. Let's go. Par contre, les armes vertes, non merci. Et en vrai, il me manque plus qu'une petite AR et on est trop bien pour la suite de cette partie, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Let's go, la petite réanimation qui ne peut pas être terminée. Oh là là, je vais péter mon crâne, les gars. Moi qui étais si proche de réanimer mon poteau, voilà Tipa qui a deux mecs qui se ramènent et qui viennent carrément me rusher. Non mais c'est pas possible. Ok, j'en ai tué un, mais il me reste qu'un HP. Je vais recharger tranquillement mes armes, terminer le gars là, hein, parce qu'il faut pas déconner. Oh non, il a un truc pour... Ok, touché. Oh là, j'étais pas prêt à ça. Ok, touché. Mais ce n'est pas suffisant les gars, ce n'est pas suffisant. Je suis one shot. Ok, il est crack le gars. Il me reste 5 munitions de pompe. Ok. Oh là là, je sais pas comment j'ai fait. La vie de ma mère, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Mais what? C'est quoi ce début de partie incroyable? Et rien que pour ça, vous êtes tous obligés de mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Imaginez les gars, on arrive à faire le top 1 dès cette première partie avec le skin légendaire. Ça serait vraiment un truc de fou, un truc incroyable. Est-ce que maintenant je vais pouvoir réanimer mon abonné, oui ou non? C'est la question que tout le monde se pose dans l'état actuel des choses, je l'espère. Parce que là, je suis quand même un peu dérangé depuis tout à l'heure. Enfin, j'ai envie de dire, let's go. Et en plus de ça, on va pouvoir se mettre bien à 200 HP. Regardez, on a un canon du brave, ça c'est magnifique. Je pense qu'il y a un mec sur le toit du bâtiment justice. Oh, j'avais raison, frère. Oh là 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 là, le kill qui passe crème. Ça fait plaisir, il avait un fusil de sniper légendaire. Mais attendez, mais c'est quoi cette chance qu'on a dans cette partie les gars? C'est vraiment une dinguerie de fou les gars. C'est une dinguerie phénoménale. Je sais pas ce qui est en train de se passer, mais en tout cas c'est très bon signe pour la suite de cette partie. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à faire le top 1 dès cette première game les gars, avec le skin de Julie? En plus c'est le tout nouveau skin de Julie qui vient de sortir. Franchement ma petite copine elle est trop fan de ce skin depuis qu'il est sorti. Par contre ici il y a l'air d'avoir du monde. Oh par contre, wesh, y'a un gars là.
Mais qu'est-ce qu'il fait là, le gars? Ah non, il est descendu tout en bas. Vas-y. Il a l'air d'avoir pas mal de monde à Mega City, les gars. Nous, notre but, ça va être de laver tout Mega City. Est-ce que ça va être possible? Oui ou non? Il y a un mec qui est juste là. Si j'arrive à lui caser une balle, mon frérot, ça serait vraiment incroyable. Oh, il est juste là. Il y a un mec là, juste là. Oh là là, il y a trop moyen de le tuer. Attends, tu sais quoi? Moi, je vais le rusher. Je ne perds pas mon temps. Oh, what? Ok, touché, moins 20, mais ce n'est pas suffisant. Ok, moins... Oh, moins 60. Aïe, 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 il m'a mis quand même une grosse balle, donc je vais essayer de prendre ma potion juste ici. Et vous savez quoi, les gars, je vais casser les constructions, parce que là, je sais pas du tout à quoi il joue, et ça me fait très, très peur. Du coup, voilà, construction cassée. Tant pis si mon abonné prend des dégâts, mais au moins, je tue le mec juste ici. Ah non, là, il est pas mort, et c'est mon abonné qui est mort. Super, oh là là, je suis vraiment stupide. Le mec, en fait, il a réussi à se rattraper. Oh, c'est pas grave. Attends, par contre, là, il y a un autre gars qui se ramène, et ça, c'est très dangereux pour moi. Il est où, wesh? Ok, non! What? Je me suis mangé un moins 200 par son pote! Il m'a mis un moins 200. Ok, heureusement, il y a mon abonné qui est juste là. Il a peut-être un HP, mais je sais qu'il va nous sauver la vie, les gars. Oh! Il lui a mis une balle. Mon abonné, il joue sur Switch, mais il met ses balles, frérot, what? Il va récupérer ma carte et il va me réanimer, les gars. Je crois en lui. En tout cas, je croise les doigts. Ça, c'est l'avantage d'inviter mes abonnés pour un tournage vidéo. Oh, dommage. C'est parti, deuxième tentative. Malheureusement, on a choqué cette première game, mais c'est pas grave, je le sens bien pour cette deuxième game, les gars. Dans quelques instants, on va sauter du bus pour savoir quel skin de ma copine vais-je donc avoir. 3, 2, 1, c'est y part, les gars. Et nous avons le skin de Julie Cuirassé. Je suis donc obligé de récupérer que des armes bleues pour pouvoir faire mon top 1 bleu comme mon t-shirt, les gars. En vrai, ça va, c'est pas si pire. C'est pas des armes grises, c'est pas des armes légendaires, c'est au milieu, donc en soi, c'est correct. Va-t-on avoir la chance de tomber sur une arme bleue dans cette partie? On est parti à Creaky Compound, je sais pas comment prononcer cette ville, mais en tout cas, moi, ce que je suis à la recherche, les gars, je suis à la recherche d'une arme bleue, et malheureusement, la seule arme bleue que j'ai trouvée, c'est un bocal à luciole, mais c'est pas sérieux. J'espère que je vais réussir à faire un maximum de kills, parce qu'un local à luciole, frérot, attention, arme vert, attention, ah, arme épique, frérot, je peux pas le récupérer. Heureusement, il y a pas mal de coffres dans cette ville, donc il faut juste espérer avoir de la chance, et voilà, nous avons notre première arme bleue, les gars, ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. On va pouvoir aller focus et tryhard un maximum d'ennemis pour faire le record de kill mondial jamais fait avec des armes bleues. Et pour m'aider à réaliser cet objectif, bien évidemment, vous connaissez Jean-Fils, on active un contrat pour savoir où est l'ennemi le plus proche. Oh non, il y a un de mes abonnés qui est mort, c'est pas possible. Là, il a vraiment pas fait d'effort. Oh, let's go, arme bleue juste ici, ça c'est cool. En plus, le flare gun, il est trop cheaté. Le mec est juste là, je le vois à travers les constructions. Je vais le rusher, mon gars, je vais carrément me venger parce que moi, on n'attaque pas mes amis comme ça. Alors, où est-ce que tu es? Il est juste là, les gars, attention, est-ce que je réussis à toucher? Non, quoi, je l'ai pas touché. Attends, c'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète, je suis là. Hop, ah ben il est mort. Il est mort, le pauvre, oh, c'est pas possible. Bon, tu sais quoi, on va récupérer son stuff. Et il avait lui aussi un flare gun. Est-ce que vous pensez qu'à l'intérieur de ce tombeau, on peut trouver une arme bleue, frérot? Ici, une arme légendaire, malheureusement, on va voir qu'une arme épique ou une arme légendaire. Ok, encore un flare gun, frérot, c'est abusé. C'est parti, les gars, on va se diriger vers le contrat qu'on doit éliminer. Moi, comme vous le savez, je veux faire le maximum de kills. Je sais pas si mes teammates, ils me suivent ou non, mais moi, je perds pas mon temps. J'ai pas envie de me cacher toute la partie. Moi, je suis un rusher professionnel, vous me connaissez. Oh, let's go, les gars, regardez ici, un fusil de sniper. Ça, ça tombe bien, j'en avais justement besoin, les gars. Et les ennemis sont juste ici, non loin de moi. Du coup, bien sûr, je ne vais pas perdre mon temps. Oh, carrément. Oh, il était knock, le mec, juste ici. J'ai trop le seum. Attends, attends, parce qu'il y a d'autres types, là. Mais comment je peux rater ma balle, frérot? Je rate ma balle de pire des façons possibles, les gars. C'est une dinguerie phénoménale, ce qui vient de se passer. Par contre, c'est carrément une team de bots, frérot. Mais frérot, comment je peux rater toutes mes balles pareilles? Non, franchement, c'est ridicule. La honte, Jean-Fils, la honte. Bon, au moins, on réussit à tous les éliminer. Let's go. Oh, juste ici. Eh, mais frérot! Il se passe quoi, frérot, avec mon fusil de sniper? Eh, vous avez rien vu, les gars. J'aurais jamais dû récupérer ce fusil de sniper bleu par terre, hein, carrément. Oula, par contre, c'est en train de se fight par ici. Hop, on va activer le wallhack pour savoir où exactement la position de l'ennemi. Et il est juste là, donc je vais carrément lui foncer dessus avec mon fusil à pompe de cette façon-là. Ça, c'est une chose de faite et ce n'est plus du tout à faire. Voilà, merci bien. Tu vas me donner ton stuff. By the way, on va jeter le sniper par terre. Merci beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Ok, il y a son poteau, il est juste là. On va essayer de faire attention quand même un minimum. Ok, tu joues à ça. Moi aussi, j'ai un flare gun, mon gars. Ok, ils sont deux, ils sont là. Ok, touché. C'est pas suffisant, malheureusement. Ok, toi, t'es crack, mon gars. Il a carrément un HP. Je suis obligé d'aller le rusher, les gars. Oh non!
Ok, nice, c'est bon, j'ai réussi à l'éliminer. Ça, c'est une chose de fait. Tu vas me donner toutes tes constructions, merci. On est full construction. En vrai, il y a grave moyen de gérer la situation un maximum. Je sais qu'il y a encore du monde dans la zone, donc on va essayer de faire attention quand même. Il y a un mec juste là-bas. On va le rusher. Moi, je n'ai pas peur de lui. Je sais pas à quoi il joue depuis tout à l'heure. Hop, il est mort et tu vas me donner ta petite couronne. Ça, ça fait plaisir. Oh, les gars, il y a un mec juste là. Wesh, wesh. Tu le vois, il a un fusil sniper lui aussi. Et cette fois-ci, je la rate pas, ma balle de sniper, mon gars. Eh ouais, vous en doutez bien, faut pas abuser quand même. Je suis pas raté deux balles de sniper autant d'affilée. Au moins, ça, c'est une chose de faite. Et c'est, du coup, notre 7e kill. Ça, c'est cool, les gars. Avec notre équipe, on a un total de 13 kills. On est en train de laver la partie, carrément. Julie Cuirassé, elle est là. Ou plutôt, Blandine Cuirassé, on va dire. Oh, tellement dinguerie, il y a un mec juste là. Ok, nice, c'est bon, lui il est mort, il était tout seul frère. J'ai quand même mis la balle de snipe, attends c'est pas fini, il y a du monde par ici. Ok, nice, on va activer le wallhack. Ok, ils sont tous les quatre en hauteur. Va-t-on réussir à leur mettre une balle de sniper à l'un d'entre eux? Malheureusement, c'est négatif, aïe aïe aïe. Et du coup là ils connaissent ma position les gars. Il y a carrément un mec qui me rush frérot, what? Ok, touché, mais ce n'est pas suffisant malheureusement. Allez, activez le wallhack les gars, activez le wallhack. Comme ça on sait leur position, ça c'est nice. Ok, touché, mais lui il m'a mis une de ses balles frérot, what? Wesh, il y a un ennemi là. Il vient d'où lui? Il vient nulle part. Ok, il y en a un juste ici. Ok, lui je les craque, il a très mal. Malheureusement on vient de perdre un de nos coéquipiers. Ok, moins 104. Mort. Attention, il y a mon poteau qui est en train de se fight juste ici. Ok, nice. On a lavé la team. J'ai rien compris parce qu'il y avait tellement de mouvements, les gars. Le malheur, les gars, c'est qu'on vient de perdre un membre de notre équipe. Mais je pense qu'on ne va pas tarder à le réanimer, bien évidemment parlant, les gars. Vous me connaissez. Dès qu'on a un ami à terre, les gars, on fait tout pour pouvoir le ressusciter. Là, la situation est plutôt correcte, les gars. On est full matériaux. On vient de réanimer notre petit poteau juste ici. Il reste 20 ennemis encore présents dans cette partie. Oh, il y a des gens là-bas. Il y a des gens là-bas, frérot, si je le tue. Oh, c'est Julie combattante en plus. C'est Julie combattante, frérot. C'est le skin que j'avais dans la game d'avant. What? Dommage que j'ai manqué ma balle de sniper. J'ai grave le seum, mais bon, c'est pas grave. Faut faire gaffe parce qu'il y a un ennemi qui est juste ici. On va essayer de l'éliminer. Le frérot, il est invisible, frérot. Le frérot, il est invisible, mais what? Carrément, je lui mets la balle de sniper alors que c'est un fantôme, mais c'est incroyable. Par contre, le poteau, il a des choses qui peuvent m'intéresser. Ok, les slurps, frérot. What? Hop là, je prends les deux slurps. Ok, le meilleur joint. Ok, si on gagne pas cette partie, les gars, je ne comprends pas. What? What? Frérot, Julie combattante, elle est juste ici. Mais what? C'est quoi ce duel de Julie, frérot? Et d'où j'ai raté ma balle de sniper, par contre. Franchement, ça, c'était honteux. Comment j'ai pu rater cette balle contre Julie combattante, les amis? Voilà, Julie combattante, elle est morte. Elle est dans un autre monde. Par contre, c'est pas fini, parce que le reste de l'équipe est juste ici. Aïe, malheureusement, c'est pas passé à travers la construction, mais c'est pas grave, les gars. Allez, go en zone. Et en vrai, les gars, j'ai carrément la meilleure des équipes. On est en train de laver tout le lobby. Touché. Attention, peut-être le kill, bien évidemment. Dreamhack, tu retournes au lobby. Il avait des armes épiques, il a même pas réussi à me toucher. Moi avec des armes bleues frérot, je lave le lobby avec mon équipe. Par contre là-bas ça se fight. Il y a deux ennemis qui sont présents juste ici les gars. Activez le wallhack, là on a besoin de wallhack. Frérot il est juste là, tu crois je te vois pas là? En train de te réanimer, hop là. Hop là c'est pas fini, on a un Sean Kevin juste ici. Sean Kevin, tu dégages. Je te termine, Sean Kevin, frérot. Let's go. Le wallhack a donc été activé. Où est-ce qu'ils sont? Ok, on a lavé toute l'équipe. Ah non, il y a un poteau qui est juste là-bas, dans les airs. Attention, il est ultra white. Il est ultra white là dans les cieux. Frérot, j'ai l'impression qu'il s'est posé dans l'arbre. Oui, il était dans l'arbre. Let's go. Ça, c'est une chose de fait et ce n'est plus du tout à faire. Hop, il avait quoi comme stuff? Vas-y, le poisson thermique, mon frérot. Je vais le manger. Comme ça, on va pouvoir voir les ennemis à longue distance. Genre lui. Oh punaise, la balle de sniper qui passe bien malheureusement, qui n'est pas dans la tête. Et frérot, ce poisson mythique, il est trop cheaté. Regardez à quelle distance on peut voir les ennemis. Aïe aïe. Oh les gars, regardez, il y a un joueur juste ici. Ok, nice, on l'a tué. Oh, c'est vraiment les boss ma team. C'est vraiment les boss, je rigole même pas. Ok, là-bas. Bouge pas. Ah, il a bougé. Ok, il est one shot. Il a un HP. Peut-être vais-je avoir le kill. Ok, j'ai le kill. Eh, si ça continue, les gars, on va avoir 20 kills. Mais what? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh, frérot, le skin cuirassé, c'est carrément abusé. Regarde ce que je mets à travers des buissons. C'est incroyable, mon frérot. La dinguerie. Allez, les gars, on rush. J'ai mis une balle, là. Une balle de sniper dans ses genoux qui, malheureusement, l'ont pas tué. Par contre, ça ferait très, très mal. Sors ta tête. Vas-y, sors ta tête, frérot. Il veut pas sortir sa tête. Les gars, il reste une bonne dizaine de personnes encore présentes dans cette partie, dont un mec juste là-bas. On essaye, bien sûr,
de les éliminer. Ok, il y a un mec qui est mort. Malheureusement, j'ai pas eu le kill. On va recharger tranquillement nos armes. Là, il y a un de mes potos qui est en train de se fight au contact. Attention, qu'est-ce que t'essayes de faire, toi, mon gars? Je sais pas ce qu'il essaye de faire. Wesh, la balle qui m'a mise. Hop, hop. Ok, touché. Oh, la tempête. Il y a la tempête, les gars. La tempête, elle est juste ici. Ouh, elle va vite. Allez, go en zone, vite, vite. On va éviter de faire le fou, les gars. Tant qu'on n'est pas dans la zone, on va reculer un tout petit peu, histoire de prendre son temps. Aïe, 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 un de mes potos qui est mort. Ça, c'est vraiment pas cool. On perd un soldat, les gars. Mais ne vous inquiétez pas. Moi, je suis toujours là pour les protéger, les gars. Vas-y, sors de là que je te tue. What? What? C'était quoi ça, frérot? What? Aïe, 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 le Cybertron. Je l'avais oublié, cette arme, les gars. Heureusement que j'ai de quoi me remettre bien. Parce que là, il m'a fortement surpris, le mec, juste ici. Oh, il est juste là. Ok, nice. Il est mort de la tempête. Oh, le pauvre. Ok, il est mort. Ça, c'est cool. Par contre, le gars avec son Cybertron, t'inquiète pas. Je ne t'oublie pas, frérot. Il est juste là. Monsieur Cybertron, comment ça va, mon gars? Ok, touché. Là, franchement, s'il n'est pas mort dans quelques instants, je ne comprends plus rien à ma vie. Ok, c'est bon, il est mort. Les gars, let's go. C'est la 20 kills. Regardez, hop. 20 kills au compteur. Mais what? Mais c'est carrément mon record du monde pour cette saison 3, les gars. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'état actuel des choses? Et ce n'est pas fini, les gars. Regardez-moi le mec qui est juste ici. Je sais pas à quoi il joue, les gars. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que dans quelques instants, il va décéder parce qu'il essaye de se bullfight à l'intérieur de la tempête, ce qui est une très mauvaise idée, comme tout le monde le sait, hein. Et voilà, c'est ça, le top 10 20 kills avec Julie Cuirassé. Blandine, c'est un défi réussi. Tu peux cliquer juste ici pour voir une autre vidéo juste là. Tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube et prends pas les amis. On se dit à la prochaine. Tchuss.